Bonjour, c'est Jean-Charles Skarbowski. Vous allez assister à un entraînement comme on peut faire tous les jours au Skarbowski Gym. Voilà, et bienvenue. Bien, sans t'arrêter. Et souffle en même temps. Tape au moins, niveau. Voilà, pas trop haut. C'est pas comme ça. Quand on saute à la corde, les deux pieds doivent toucher le sol en même temps. Sur une jambe, il y a 90% du poids du corps, sur l'autre, il y a 10%. Hein? D'accord. Donc deux fois à gauche, deux fois à droite. Comme ça, la jambe, elle se repose une fois sur deux. Un, deux, un, deux. Comme ça, on peut sauter pendant des heures sans être fatigué. Parce que si on fait qu'une fois, bon, bah, au bout d'un moment, on est crevé. Alors que là, la jambe se repose deux fois, là, elle se repose deux fois, et ainsi de suite. Arrête de faire ça, c'est bizarre. La dernière fois, Greg faisait des petits mouvements comme ça. Mais ces mouvements-là, en fait, on les fait quand on fait de la corde. Voilà. Donc au final, faire ça avant de faire de la corde, c'est inutile parce qu'on fait des gens en faisant de la corde. On va faire une petite accélération, 15 secondes. Et c'est parti. On lève les genoux. Deux tours par saut, allez, allez. Et tiens, stop sur les mains. Stop sur les mains direct, 50 petites pompes. Stop. 50 petites pompes, fais ça, on y va. C'est parti. Bon, on va poser les cordes, mettez des gants, petit round d'anglaise. On commence directement par un petit round d'anglaise et je garde l'échauffement pour la fin. Voilà, parce que comme je le dis souvent, étant donné que le monde est fou, si on agit de manière normale, on est à contre-courant. Ce qu'il faut, c'est prendre le monde comme il est, c'est-à-dire être encore plus fou que le monde. Voilà, donc on fera l'échauffement à la fin, vous inquiétez pas. Allez, tentez des trucs, hein. Prenez des risques, on va doucement, on se fait pas mal. Donc là, actuellement, vous voyez Swell Saïdan, hein, contre Fessal, un champion là, qui s'entraîne à la salle, Swell Saïdan. Swell qui s'est imposé brillamment ce week-end au Gala Bagarre, à Japy. Tentez des uppercuts, travaillez pas sur un coup, cherchez pas le chaos. Il a fait une petite dizaine de combats, hein. Il n'y a pas encore beaucoup de combats parce qu'il a commencé il y a 2-3 ans. Sur ces 2-3 ans, il y a eu 2 ans de Covid, donc forcément, donc il va devoir 7-8 combats pour une défaite. Pas mal de chaos, c'est un puncher, il tape fort, il est courageux, il est sérieux. Et s'il continue comme ça, forcément, je pense qu'il va être champion du monde. Voilà, on fait tout pour. Voilà, et, comme à la salle, il y a plusieurs entraîneurs de renom, Kronxa, Krobeut, Stéphane Nikema, Jaïd Rachid El-Armi, Bruno Benlabed, là qu'on a vu il y a 2 secondes. Donc il bénéficie du savoir de tous ces entraîneurs. Voilà, et donc ce qui fait qu'il a pas mal progressé assez rapidement. Hein. L'avantage de Fessal, c'est qu'il n'a rien à perdre. Et un adversaire qui n'a rien à perdre est très dangereux. Mais si vous avez un titre de champion du monde, vous pouvez le perdre. Mais si vous n'avez pas de titre, eh ben vous n'avez rien à perdre. Et c'est un peu dans cet esprit que Fessal s'entraîne. Allez, déplacement, allez, enchaînement, et respirez bien sur les coups. Hein. Bon, bah, faut le toucher parce que tu ne touches pas. Hein. Je fais 3 rounds, environ 3 rounds de 3 minutes, donc c'est de la. C'est pas de la boxe pour se mettre KO, c'est pour s'échauffer. Donc c'est axé sur les déplacements. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de blessure parce que les gens sont encore en forme, ils ne sont pas fatigués. C'est quand on est fatigué qu'on peut faire n'importe quoi, pas faire attention à ses déplacements, se fouiller la cheville. En début d'entraînement, on est tout à fait en forme. On sait retenir les coups et tout se passe toujours très bien. Alors le coup d'œil, c'est quelque chose qui se travaille en entraînement forcément en lencheng, hein, en sparring, comme on dit en anglais. Pour l'anglaise, en thaï, on dit long noam, hein, le sparring anglaise. Et le sparring thaï, c'est lencheng. Voilà, donc moi, je préfère utiliser le terme thaï. Donc ça se travaille ouais, à la salle, en regardant des vidéos aussi. C'est très important de rappeler qu'il faut regarder beaucoup de vidéos, notamment des champions tels que Senchai et Samat et Robert et Kronxak. Voilà, des légendes de ce sport qui ont fait avancer ce sport et qui sont des modèles de comment faut faire sur le ring. Voilà. J'ai regardé des vidéos de Thaï, des vidéos d'anglaise aussi.
Mike Tyson, Mohamed Ali, ça m'a énormément aidé. En fait, il faut juste tout simplement imiter ce qu'on voit sur, sur les vidéos. Hein, et tous les grands champions thaï à qui j'ai demandé. Apparemment, c'est surtout en regardant des combats. Ils me disent, ouais, je regarde des combats et j'essaie d'imiter un tel. Voilà. Re-50 petites pompes. Faut respirer à chaque fois qu'on lève. Premier coup de pied, tape inter de cuisse. Bien, regardez comment j'ai fait. J'ai pas levé le pied. Hein. Si je lève, il peut me balayer ma jambe d'appui. Là, je suis toujours sur mes deux jambes. Je vais venir rentrer le genou. Et là, il s'explose la cheville. Deuxième dans les côtes. Je lève l'autre jambe. Je lève assez haut. Hein. Si je lève, tape haut. Si je lève pas assez haut, bah, ça passe au-dessus. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. À toi. 1, 2 et 3. Quand on met le dernier coup de pied, esquive. Là, je me retrouve comme ça. Si je pose mon pied, je perds un temps. Donc, une fois qu'il esquive, hop, je plie le genou, ça arrête le pied. Et après, je reviens de face avec un petit saut. Ça, je reviens plus rapidement. Esquive. Hop, là, je suis de face direct. Parce que si je fais ça, le temps que je revienne, je me prends un coup. Se faire bloquer, ça fait encore plus mal, mais bloquer, ça peut faire mal aussi. Donc, si on a déjà une petite blessure, si on doit faire un tournoi où il y a plusieurs combats dans la soirée, on ne peut pas se permettre de bloquer à tout berzingue sans réfléchir parce qu'on peut se faire très mal. Donc utiliser le poignet ou tout simplement les mains, comme le fait Somme la Kamsing. Hein. Hop, il met les mains. Parce que généralement, le coup de pied, le télantois est mis assez haut. S'il est mis au niveau des hanches, c'est trop facile de bloquer un coup qui vient dans les hanches. Il suffit de lever un petit peu. Un coup qui va plus au niveau des épaules, c'est très difficile de le bloquer. Hein. Faut lever très haut et connaître bien le blocage. Vous y arrivez? 2 et 3. On revient rapide, hein. Avec un petit bond plus bas et souffle. Part d'en bas, ras du sol. Et on lève la tête. On durcit notre corps beaucoup. Bon, il y a aussi le. Allez boire un petit peu d'eau, il y a aussi le Kyokushinkai et le sport aussi où ils se durcissent beaucoup le corps. Mais la deuxième particularité de la boxe thaï, c'est que nous, on fait des coups de pied dans des sacs pendant des heures et des heures. Et ça, ce que ne font pas les pratiquants d'autres disciplines. Il tape pas dans le sac pendant des heures et c'est ça qui fait notre plus. Les coups de pied dans les sacs et la dureté du corps. Et la dureté du corps, c'est les pompes, c'est les abdos, c'est la muscu, c'est les répétitions. Et le rouleau à pâtisserie, c'est vrai ça, ça se fait? J'ai essayé une fois, pas rouleau à pâtisserie, mais à la bouteille. Regardez, alors, imaginez c'est du verre. Là, il n'y a pas de poids, ça pèse rien, d'accord? Si j'appuie et que je fais ça, je vais me tirer juste les poils. Alors on peut dire, on peut le rouler, mais le rouler, ça ne fait rien non plus. Regardez, je roule, c'est rien, c'est n'importe quoi. Voilà, donc j'ai essayé une fois, j'ai vu que ça ne servait à rien, et j'ai plus jamais recommencé. On va faire un autre exercice. Vous avez vu tout à l'heure quand j'esquive le coup de pied? Quand je fais ça, là, si je pose, je reviens, je perds un temps et peux me remiser. Donc quand je fais ça, hop, je reviens tout de suite de face, comme ça je peux réagir en cas d'attaque. Maintenant, on va faire un peu les saisies. Je lui saisis la jambe. Je peux tenir avec la main, je peux tenir avec le bras. Je peux décaler un petit peu. Je protège mon visage, comme vous voulez. Donc, une fois que je tiens la jambe, boum, je vais faire un petit pas de retrait. Et là, je tiens la jambe avec la main, je jette la jambe. Lui, il est dans une mauvaise position. S'il me tourne le dos, là, je peux très bien, bim, taper dans partout où je veux. Quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais si je te jette la jambe? Là, je suis là. Ah bah non, t'as perdu un temps. Jette-moi la jambe. Hop, bim. T'as vu? Donc, un coup de pied chacun, une saisie chacun. Je protège mon visage. Protégez votre visage, hein, sinon. Parce que souvent, moi, en combat, je mettais un coup de pied, le mec, il se protégeait pas le visage. J'ai bim. Je faisais même semblant de mettre un coup de pied. Des fois, je laissais même la jambe longtemps pour qu'il attrape. Non, genre, au début, t'attrapes pas. Au début, t'attrapes pas. Regarde, là, je suis là, il attrape pas. Ah, il attrape, bim, tu vois. Je t'avais dit, attrape. Bim, tu vois. Je donne ma jambe exprès à attraper, même si je tape lentement, je tape pas fort. Bim, pour mettre une droite. Dès qu'il... Bon. Donc alors, on fait la technique que je vous ai montrée. Un coup de pied, hop. Ah ouais, t'as oublié, à moi. Bim. Hop, tout de suite. Faut taper avant que le pied de l'adversaire touche le sol. Hop. Bim. Bim. Ok, yes, de pardon, on y va. Merci. Là, je vais tenir un round de Power Swell. Comme il a boxé il y a 3 jours, bon, il n'est pas allé trop fort non plus. Voilà. Pour vous montrer un peu ses capacités et voilà, en espérant que des promoteurs soient intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Allez, voilà.
Pardon. Allez, deux. Deux. Et bam, gauche coude, bam, 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 voilà, encore, bam, 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 et pour terminer 10, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de plus, tout de suite, et 1, 2, 3, 4, 5, plus fort, 6, 7, 8, 9, et 1, donc j'appelle ça la prise du crocodile, pourquoi? Regarde, on dirait un crocodile. On dirait un crocodile. Regarde, non, on dirait pas un crocodile. C'est pour ça, c'est donc la prise du crocodile. Tu me le fais pour voir hein? Donc alors, pourquoi ça marche? Quand le mec met un coup de pied, il a la jambe qui est de côté. Là, s'il me le fait, fais-le moi. Ben, tu vois, je tombe. C'est pour ça que si ça vous arrive que le mec, il vous attrape, il veut vous le faire, vous mettez tout de suite votre pied droit. Fais-le moi. Voilà, et là, ça marche pas. Ok? Bon, bah alors, faites une fois quand ça marche, une fois quand ça marche pas. Hein. Là, je mets droit. Là, c'est droit, je peux pas faire. Mais si tu es sur le côté, hein, c'est-à-dire quand il met le coup de pied, il a forcément la hanche sur le côté. Là, bim. Yes, on peut s'aider avec l'autre main. Attendez. Je suis là. Hop, j'attrape là. Bim. Ok? Allez, on y va, donc deux par deux. Technique du côté. Tiens, nous, on va faire un petit round de pas haut. Là, je vous présente. Une championne, Noor Garbi. Ça va faire un an qu'elle a commencé, un an et demi. Déjà une bonne dizaine de combats. Elle est très sérieuse, elle est douée, donc il faut compter sur elle pour l'avenir. Ça... Elle a 13 ans, elle s'entraîne 4 heures par jour. Déjà au bout d'un an et demi, elle est connue dans toute la France, dans le monde du Muay Thai. Bon, salut, on va faire un petit round. Hein. Allez. Voilà. Coude. Déplace, voilà, dans le sens. Et chasse. Et rapide, bam. Voilà, après une droite. Allez, bam. Et après, bam. Ok, la même, on y va. Allez, bam. Voilà, blocage. Esquive. Tends la jambe, voilà. C'est bien. Chasse. Et bam, un au milieu, un en haut. Bam, deux au milieu, deux en haut. Bam. Voilà. On se déplace. Chasse, bloc. Et bam, alors, enlève ta jambe. Voilà, encore. Bam, enlève. Voilà. Et deux. Bam, genou. Et coude. Et déplace, distance. Bloc et chasse les types et chasse et comme ça hop et ouais et encore et pareil la même main non le même geste et tape de l'autre côté plutôt non même geste et tape là et
Et non, le même geste, même geste. Non, même geste. Et ouais, et même geste. Et même geste. Et pareil. Et blocage. Et déplace. Déplace, distance, distance. Distance. Par là. Reste loin, reste loin. Par là. Hop, et deux. Et pousse-moi, voilà, on commence. Et passe le talon dedans. Et voilà, encore. Bam. Voilà, c'est bien. Et pam. Pam. Deux. Pam. Pam. Trois. Pam. 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 Allez, 10 pour terminer. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de plus. 1, 2, 3, c'est 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 1. Pas avec la cuisse, la pointe du genou. Pourquoi tu recules? Regarde. Là, tu pars en arrière, bouge pas. Là, j'avance. Hein? Tu peux péter si tu veux. Ouais, je sais pas pourquoi je sens. Non, parce que toi, tu lèves. Si tu lèves, ouais. Quand t'es là, à la fin, c'est ce mouvement-là qui fait mal. Ouais. C'est juste un petit mouvement de hanche qui fait 10 cm. Alors que là, si tu pars de derrière, tu vois, vas-y. Non, horizontal depuis le début. Vas-y. Ah, c'est mieux, tu vois. Ok, bon, alors, ça attaque en genou. Plusieurs manières de se défendre, vas-y. Premièrement, je tape avec ma main droite dessus. Hein, bon, d'accord. Deuxièmement, je le pousse avec mon bras gauche. Troisièmement, il met genou. Je recule, je décale, je mets mon pied, bim. Des joueurs qui changent de garde. Avec ma jambe avant, j'écale un peu en diagonale. J'attrape son genou, la main sur la nuque, l'autre pied, je tends le pied, je tends la jambe et je pousse. Alors, les trois techniques, on recommence. Première technique, je tape. Deuxième, je pousse. Troisième, hop, bim. Donc maintenant, je vais vous montrer comment contrer ces contres. D'accord? Donc, la première technique, c'était il me poussait le torse quand je tape. Boum. S'il me l'a fait une fois, il va recommencer sûrement, parce que ça a marché. Je recommence le même mouvement, sauf que là, je vais venir décaler avec ma main droite. C'est donc, il ne me touche pas le pec, donc il me fait pas reculer. Boum. Je tiens la nuque. Et la main ici. Là. La deuxième technique, c'était il tapait sur mon genou avec sa main droite. Bim, voilà. S'il me l'a fait et qu'il recommence, fin de genou, bim, coup de coude. Hein? Hop, bam. Parce qu'il se découvre. La troisième technique, c'était, tu me recommences la troisième technique, c'est hop, ouais. Et après, il me pousse, boum, d'accord. Si vous faites attraper le genou, il faut réagir très vite. Parce que comme quand le mec vous tient le genou, il est très proche de votre jambe d'appui. Si vous tient au niveau de la cheville, il est assez loin. C'est plus difficile. Au niveau du genou, c'est beaucoup plus facile. Donc s'il m'attrape le genou, je vais tout de suite essayer de passer le pied à l'intérieur de ses jambes et tendre la jambe. Je contrôle ce bras pour qu'il mette deux coups de poing. Je tiens sa nuque, essaie de mettre une droite. Hop, il ne peut pas. D'accord ? Hop, un coup de poing. Là. Bim, ouais, ça coince. Et là, je tiens son bras. Il ne peut pas me renverser parce que je l'ai bloqué. Le corps à corps, je l'ai appris pas mal à partir du moment où j'ai commencé à enseigner. Moi, ça n'a jamais été mon truc favori. Au contraire, moi, j'ai cherché à mettre l'anglaise. Le corps à corps, ça ne m'arrangeait pas du tout. C'est toujours quelque chose que j'essayais de fuir. Et je me débrouillais bien, j'arrivais toujours à casser le travail de l'autre en corps à corps, ce qui me permettait de ne pas trop être en défaut, donc j'évitais le corps à corps au maximum. À partir du moment où j'ai commencé à enseigner, il faut bien que j'enseigne le corps à corps, et c'est là que j'ai réellement progressé, véritablement progressé, parce que j'ai réfléchi, voilà. Alors qu'à l'époque, je cherchais beaucoup l'anglaise, les jambes, le corps à corps, ce n'était pas mon art favorite. Technique de corps à corps, quand j'arrive encore, c'est un peu plus loin, quoi. Quand j'arrive en corps à corps, généralement c'est suite à une combinaison de coups de pied et de coups de poing, et qu'on a, on est assez près, je l'attrape, hop, et là on rentre. Je ne vais pas venir l'attraper comme ça, je vais prendre un coup de poing, un coup de pied, c'est pas possible. Donc, par contre, là quand on est à mi-distance, là, si je vais pour lui attraper la tête, essayer de m'attraper la tête, là, tout de suite j'écarte ses bras. Hein. Si je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Il m'attrape, hop, il me descend, après je suis mort. Hein, coup de genou dans le nez, c'est fatal. Donc si je vais pour lui attraper la tête, il monte ses mains, hop, et je redescends, je l'attrape au niveau des hanches. Hein. Donc c'est une feinte en fait. Hein. Je vais pour l'attraper la tête, je laisse penser que je vais attraper la tête. Oh, en fait non, j'ai avancé ma jambe droite. Ma jambe droite est à l'arrière de sa jambe gauche. Je le ceinture et avec mon épaule, je vais l'envoyer par terre. Avec l'épaule.
Arrête. Arrête. Dylan. Arrête. Il faut y aller, Dylan, là, parce que les tailles, ils rigolent pas, eux. Hein. Arrête. C'est dans deux semaines, le combat. Gianni, un de mes plus fidèles élèves, hein, de, qui me suit depuis le début, depuis presque 25 ans maintenant. Voilà, et aujourd'hui, il m'aide à la salle La Marque, voilà, il donne des cours aussi, et il a toute la journée pour enseigner, accueillir. Il me ceinture premièrement, hop, j'écarte les jambes, je plie les genoux, au moins il ne me soulève pas. Il ne me soulève pas, mais par contre, je ne peux toujours pas mettre de coups de genou. Dans cette position-là, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais venir mettre une main sur sa nuque. Là, comme sa tête est à gauche, je vais mettre ma main gauche sur sa nuque. Si ma tête avait été à gauche, j'aurais mis la main droite. Hein. Donc main gauche sur la nuque, parce que sa tête est à gauche de ma tête. L'autre main sur la hanche, hein, sur l'avant. Cette main va venir pousser. Tiens-moi fort. Cette main va venir pousser. Cette main, elle va venir tirer. Donc je fais une sorte de rotation. Je tire la tête en arrière et aussi vers le bas. Et la hanche, je la pousse tout droit. Et comme il me tient, même si je ne mettais pas des mains et que je tourne le corps, vous voyez, il me suit. Hein, il me suit. On est collés l'un à l'autre. Mais si en plus je mets de mes mains, je laisse évidemment une jambe à l'extérieur. Hein, sinon, il ne fera que se déplacer. Et là, je tourne. Boum. Et plus il me tient fort, plus il tombe. Parce que plus il me tient fort, plus il est attaché à mon corps. Et comme je tourne le corps, bah, il part avec. Ouais. Un dernière technique. Et après, on passe au lunch. Parce que, on profite. Tiens, je prends une personne normale. Bon, bah alors, tiens, bon, viens. Nico, viens voir. À défaut, hein. On salue. Alors, toujours une ceinture. Qu'est-ce que je peux faire quand une ceinture? Regardez ce que je vais faire. Premièrement, toujours, j'écarte les pieds, je plie les genoux, je recule les fesses, j'arrondis le dos pour être stable, pour pas qu'il puisse me déplacer ou me soulever. Je vais venir attraper le haut de sa tête avec la main. Et je vais venir tirer sa tête sur mon épaule. Donc là, sa tête qui est coincée entre ma main et mon épaule. Là, essaie de bouger la tête, il ne peut pas, il est coincé. Je vais venir monter mon épaule et descendre ma main. Donc ça provoque une rotation au niveau des cervicales. Donc là, ça fait une rotation. Il peut résister s'il veut, mais c'est la dernière fois de sa vie qu'il résiste. Parce qu'après, il va se retrouver avec une section de... Si vous avez une section de la moelle épinière au niveau des cervicales, après, tout devient plus difficile. Des trucs de la vie de tous les jours qu'on n'y pensait même pas. Après, on va dire, en fait, on faisait des exploits, quoi. Donc alors, une ceinture, hop, j'écarte. Une main là, je lève l'épaule, je descends ma main. Je peux m'aider aussi avec ma tête. J'appuie ma tête sur sa joue. Ce qui fait que je rajoute un petit peu la force de la nuque. Donc là, il ne peut vraiment pas résister. Là, quand on arrive à la fin du cours, on va faire le lencheng et le pam, faire le sparring, hein, pour en dire vulgairement, et le corps à corps. Voilà. Donc chaque fin de cours, on essaie de mettre en application les techniques qu'on a apprises aujourd'hui et puis celles qu'on connaît déjà. Et puis aussi s'amuser, se faire plaisir, mettre quelques bons coups de poing, ça fait toujours plaisir, en prendre aussi. Voilà. Comme ça, on connaît son niveau. Donc fait ça, l'homme qui n'a rien à perdre. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui n'a rien à perdre. Et fait ça, tu m'en consens, c'est parti, on y va. Alors la première qualité pour un pratiquant, c'est le respect et la gentillesse. Parce que si vous avez ni l'un ni l'autre, personne ne s'occupera jamais de vous. Donc même si vous n'êtes pas doué à la base, si vous avez ce respect et cette gentillesse, l'entraîneur il va tout faire. Et tous les entraîneurs du club et tous ceux qui ont un certain niveau vont vous aider. Parce qu'il y a le respect et puis la gentillesse, hein, penser à l'autre. Et voilà, c'est les deux qualités importantes. Hein. Vous savez bien taper, vous êtes fort en poing, fort en jambes, vous ne respectez pas, vous n'êtes pas sympa, qui va s'occuper de vous? Vous n'allez jamais progresser. Personne ne va s'investir avec vous, personne ne va vouloir passer un week-end avec vous, vous emmener boxer en province ou à l'étranger. Alors que si la personne est cool et sympa, on a envie de passer des week-ends, on a envie de passer des soirées, on a envie de l'aborder à l'entraînement, de l'aider, tout simplement. Et ça, c'est la condition sine qua non pour progresser. Vous êtes bon, vous n'êtes pas cool, bah personne ne s'intéressera à vous, tout simplement. C'est fou. C'est pour ça que la plupart tous les grands champions, hein, ce sont des gens très sympathiques, très humbles, grande gentillesse. Tous ceux que je connais et tous ceux que je connais pas, je sais que c'est le cas pour tous les champions.
Voilà, bah, donc merci Johan, merci Karaté Bushido d'être venu faire un petit reportage dans ma salle. Voilà, c'est un honneur de vous avoir reçu. Là, on va faire le salut de fin du cours. Voilà, comme tous les arts martiaux, il y a le salut en début et en fin de cours. Hein, c'est une preuve de respect. Voilà. Donc sur ce, merci, passez une bonne soirée. Sadi Kap. À la prochaine, rentrez bien. Merci. Donc au cas où ça intéresserait quelques personnes, cet été, juillet-août, on organise un stage, Maître Kong Sak organise un stage en Thaïlande, à Bangkok, dans le fameux camp Joki Gym, que j'ai repris maintenant, c'est Skarboski Gym, Bangkok, Joki Gym. Donc là, Maître Kong Sak sera là-bas présent pendant 2 mois, plus des entraîneurs réguliers du club. Voilà, donc ça fait un stage avec les élèves du club. Et s'il y en a même qui ne sont pas du club, qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter hein, sur Facebook, sur Instagram.